Blabla. Une émission proposée par Hype FM. La Turquie et le génocide arménien. 99 ans après le début des faits, la Turquie n'ose toujours pas affronter la vérité, qu'elle est pourtant la mieux placée pour la connaître. Mais pourquoi ce déni de vérité? À un an du centenaire du génocide arménien, la Turquie ne nous montre aucun signe de repentance et l'espoir de rendre enfin justice à la nation arménienne qu'elle a chassée de ses terres ancestrales. Au contraire, après des décennies de nationalisme frappé par le cycle du kémalisme, c'est un nationalisme d'un autre genre qui vient confirmer depuis quelques années l'ancrage de l'État et de toutes les forces politiques turques dans un négationnisme absurde. Que pèsent à partir de ce constat les voix courageuses et honnêtes de ces intellectuels, artistes et autres défenseurs turcs des droits de l'homme et de la dignité humaine? Et enfin, comment la Turquie envisage-t-elle donc de contrer les commémorations du centenaire du génocide arménien, puisqu'en l'absence d'une volonté d'apaisement par la justice, la Turquie semble chercher à enfoncer davantage le clou? Nos invités aujourd'hui pour parler de cette stratégie et de l'action arménienne face à cette stratégie de la Turquie, Murat Papazian, co-président du CCF, bonjour. Bonjour. Erol Özkoray, intellectuel et publiciste turc, bonjour d'être bonjour. Avec nous à IPFM. Et nous serons en ligne dès le début de cette émission avec Guillaume Perrier, qui est le correspondant du Monde en Turquie et auteur du livre « Le fantôme arménien ». Erol Özkoray, vous venez de rentrer de Turquie hein, avec un procès, le énième procès, j'allais dire, qui pèse sur vous. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance politique après Gezi, après les scandales de corruption qui ont touché directement l'entourage de Recep Tayyip Erdogan et ces élections municipales aussi qui ont donné la victoire à ce même Erdogan malgré des attentes d'un affaiblissement. Alors est-ce que dans cette atmosphère... et ce que je viens de noter, cette victoire d'Erdogan, on a tout espoir est perdu avec cette politique liberticide de pouvoir parler désormais librement du génocide arménien en Turquie. Écoutez, tout est possible actuellement en Turquie, c'est-à-dire l'ère des ruptures a commencé avec cette victoire d'Erdogan parce que la société turque est scindée en deux, définitivement. À la suite de ces élections, on peut affirmer à haute voix cette vérité. Donc il existe deux Turquies et deux citoyens de Turquie. L'un moi je les appelle, c'est comme le sociologue Şerif Mardin, les Turcs d'Anatolie qui votent, qui carburent avec l'islam et qui votent pour Erdogan, pour le parti islamiste. Ils sont très musulmans et ils sont assez conservateurs. Et l'autre partie, c'est les Turcs, les citoyens turcs de européens, dont les Arméniens font partie. Ce sont les Turcs de l'Ouest, les Turcs des Balkans, les Alevis aussi font partie. Et cette catégorie sociale, qui est assez importante et majoritaire aussi, était pris... Majoritaire où? Majoritaire dans ces régions, en dehors de l'Anatolie. En dehors de l'Anatolie, mais par rapport aux voix aussi, ils sont divisés, mais ils sont majoritaires aussi dans le pays. 55 à 60% des électeurs inscrits font partie de cette groupe, mais ils sont un peu divisés aussi. Mais cette partie sont épris de liberté et sont défenseurs des droits et des valeurs européennes. Donc, mais l'avenir de la Turquie, et pourtant à Istanbul, c'est Erdogan qui a gagné. Bien sûr, parce que il y a beaucoup de Turcs d'Anatolie qui sont venus s'installer avec la guerre contre les Kurdes, etc. Mais au niveau de la pas quantité, mais au niveau de la qualité de citoyenneté, ces valeurs dont on parle, par exemple la reconnaissance du génocide des Arméniens et cette idée de reconnaissance qui va faire son chemin, ça va être dans cette catégorie sociale de Turquie. L'espoir est là, mais de notre côté, tout un État est entre les mains des islamistes, dont cette partie européenne de Turquie recuse l'autorité.
il trouve illégitime le gouvernement actuel, même après les élections, parce qu'il y a eu Gezi. C'était une lutte, une sorte de guerre ouverte contre les civils. Ensuite, la corruption géante qui est aux alentours de 200 milliards de dollars. Donc, ces deux événements font de cette une forme d'illégalité selon les yeux de l'opinion publique qui sont anti-islamistes. Alors Mourad Papazian, finalement on se pose la question entre les kémalistes hier et l'AKP depuis une dizaine d'années voire plus, qu'est-ce qui a changé? Certains avaient l'espoir qu'avec les nouveaux une sorte d'ouverture allait se produire, surtout avec cette envie d'intégrer l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut en dire en 2014 de ce parti, l'AKP de Erdogan ? L'AKP est arrivée au pouvoir à l'été 2002. Oui. Avec une chance extraordinaire, c'est qu'elle avait la possibilité de créer une rupture historique en Turquie, puisque après plusieurs décennies de kémalisme, plusieurs décennies de kémalisme ponctuées également par des coups d'État tous les 10 ans à un moment donné, il y avait l'opportunité avec l'AKP d'un positionnement, celui qui était le positionnement de départ, c'est-à-dire un gouvernement islamo-conservateur, il y avait l'opportunité, peut-être l'espoir pour certains, de mettre en place une Turquie nouvelle, beaucoup plus libérale, beaucoup moins sclérosée, beaucoup moins verrouillée, et qui aurait pu aller vers la création d'un équilibre entre les citoyens, d'un équilibre entre les minorités, et puis probablement un équilibre vers la marche vers l'Europe. En réalité, on a assisté à tout le contraire. On a assisté très très rapidement à tout le contraire, puisque dès 2004, on a compris que le gouvernement Erdogan Gül, à l'époque, avait pour objectif d'islamiser terriblement le pays, de mettre la main sur la région et d'être le leader du monde arabe duquel ils ne font pas partie, duquel la Turquie ne fait pas partie. Mais l'objectif de la direction turque, de la nouvelle direction turque, c'était de prendre le leadership du monde arabe, en fait, du Moyen-Orient et du monde arabe. Et le moyen d'y arriver, ça a été l'islamisation à marche forcée de la société turque, puisque le monde arabe s'est beaucoup islamisé ces 20-25 dernières années, et donc il fallait que la Turquie elle-même, pour prendre ce leadership, accentue cette marche vers l'islamisation radicale. Et donc on a pu constater qu'elle a fait le chemin inverse vers l'Europe. En fait, au lieu d'aller vers l'Europe, ce qui était l'objectif d'Erdogan Gül, en réalité, la Turquie a reculé. Et est plutôt allée vers l'Est, en fait, plutôt que d'aller vers l'Ouest. À un moment donné, ce genre de comportement est pénalisé, est puni. Est puni par sa propre population, déjà. Par sa propre population, qui refuse, même si aujourd'hui, les opposants au régime actuel sont une minorité, les élections le montrent bien. Malgré tout, il y a une tendance. Malgré tout, il y a une tendance vers une remise en question. J'ai entendu chez Erol le mot de illégitimité. Peut-être, à un moment donné, effectivement, ce gouvernement, ce pouvoir, ce régime deviendront illégitimes. En tout cas, ça ne va pas vers le progrès. Et c'est ça qu'il faut souligner. Tout le monde le reconnaît. Mais ça n'est pas le problème des Turcs. Ils ne recherchent pas forcément le progrès, ils cherchent l'ancrage. Peut-être. Les citoyens turcs, peut-être, sont à la recherche du progrès. En revanche, on est effectivement... Beaucoup de liberté, c'était Gezi. C'est ça, avec un gouvernement qui a décidé de verrouiller, au contraire, la société turque. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette rupture qui commence à prendre une dimension intéressante entre les citoyens et le pouvoir, même si c'est le schéma classique, on s'appuie sur une partie de la population plutôt fragile quand on a envie d'asseoir une dictature, un régime autoritaire, très religieux ou pas d'ailleurs, on s'appuie sur une grande partie de la population qui n'a pas eu accès en réalité à l'éducation, au savoir, parce qu'elle habite dans des zones moins développées, pour conforter son régime. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, on ne va pas dans le bon chemin, on ne va pas dans la bonne direction. Nous sommes en ligne avec Guillaume Perrier, correspondant du Monde à Istanbul. Bonjour Guillaume Perrier. Bonjour. Alors, nous, avant de commencer à
penser et discuter de la stratégie turque par rapport à 2015. Voyons voir avec vous également qui êtes sur place ce qui ressort de ce régime pour pouvoir mettre des espoirs probablement sur une éventuelle ouverture ou au contraire un retour en arrière. Pendant quelques années, il y a eu cette possibilité de manifester à Istanbul et ailleurs le 24 avril. C'était nouveau pour nous tous, hein, donc c'était une belle avancée. Est-ce que vous pensez que ces manifestations de... que j'allais dire de recherche de la vérité et peut-être un peu de justice pour les Arméniens, cette recherche pour la dignité, elle est confirmée ou avec cette dernière victoire d'Erdogan et cette tension qui existe sur la scène politique turque, au contraire, on va pouvoir freiner cet élan? L'élan est indéniablement freiné. Cette année, le 24 avril, se déroulera dans une atmosphère de tension et de peur dans la communauté arménienne, ce qui n'avait plus été le cas depuis 2010, voire depuis 2008. Je voudrais juste préciser quelque chose dans la discussion que vous aviez depuis quelques minutes. Il y a une chose qui me semble un petit peu schématique dans la manière dont vous décrivez la situation politique en Turquie, c'est que on sait aujourd'hui en Turquie que le pays est à la sociétés turques sont extrêmement divisées, mais je crois de dire qu'il y a deux Turquies opposées, deux Turquies, globalement les anatoliens islamistes qui votent AKP et les kémalistes modernes, pro-européens. J'ai dit pas kémalistes. Je crois que c'est extrêmement schématique, on sait quand même aujourd'hui que l'ouest anatolien, la région égéenne qui vote effectivement en majorité pour le parti kémaliste, n'est pas du tout pro, c'est pas un mouvement politique pro-européen ni moderne. Je crois que ça, on a quand même bien conscience de ça aujourd'hui en Turquie. Ces élections ont d'ailleurs montré que dans cette région, il y a une poussée du vote ultranationaliste du MHP. On n'a donc pas là l'affirmation d'un mouvement pro-européen, loin s'en faut. Par ailleurs, en Anatolie, il y a aussi toutes sortes de courants politiques qui ne soutiennent pas l'AKP. On parlait des Alevis tout à l'heure, les Kurdes hein, qui ont renforcé leur position. Donc il y a évidemment une carte électorale beaucoup plus complexe que cette opposition un peu binaire qu'on veut toujours voir en Europe. Je crois que la situation est un petit peu plus complexe que ça. Mais on peut dire quand même, Guillaume Perrier, que surtout avec Kesi, on a vu qu'il y avait une volonté massive et très forte de recherche de liberté que ce régime est en train d'étouffer. Bien sûr, mais alors Gezi a été effectivement l'expression d'une revendication de liberté, mais là aussi c'était extrêmement hétéroclite et on a vu au moment de Gezi aussi des contradictions dans ce mouvement de manifestation, et il y avait au sein des manifestations de Gezi des gens qui n'avaient rien de démocrate, hein, donc il faut aussi faire attention à ne pas englober dans une explication un peu trop simpliste des réalités beaucoup plus complexes à mon avis. Au moment de Gezi, il y avait effectivement l'expression d'une volonté de démocratisation du pays, de liberté, qui était exprimée par une certaine jeunesse turque, apolitique et critique autant du gouvernement d'Erdogan que du mouvement kémaliste et des partis d'opposition qui ont essayé de récupérer ce mouvement, hein, mais n'y sont parvenus qu'à moitié. Et d'ailleurs, leur résultat aux élections municipales est là pour le montrer. Donc je crois qu'on a aujourd'hui une situation qui, au-delà de cette opposition entre gauche et droite ou entre islamistes et laïcs, montre surtout que Erdogan, après 12 ans de pouvoir, finalement, s'est étatisé. On a aujourd'hui l'AKP qui était un parti qui est arrivé au pouvoir contre le système étatique et qui finalement aujourd'hui est devenu lui-même le système étatique, et que finalement Erdogan et l'AKP ont adopté des positions classiques de l'État turc sur un certain nombre de questions, sur des questions sécuritaires, sur des questions politiques, sur les questions des libertés individuelles et donc évidemment sur la question arménienne. Et là on va y revenir plus en détail. Mais c'est un clash
classique. Donc, après quelques années d'embellie, d'ouverture et d'espoir, aujourd'hui, la situation est extrêmement préoccupante. Et la libération, il y a quelques semaines, de personnages impliqués dans l'affaire Ergenekon, de négationnistes bien connus comme Dobou Perinchek, fait planer effectivement une menace sur ce 24 avril. Alors, justement, moi je voudrais voir avec vous, puisque vous êtes sur place, ce qui se dit et votre contact aussi avec les Arméniens, parce que ça nous préoccupe. Pendant très longtemps, les Arméniens étaient dans la peur, au moins dans la silence, pour ne pas heurter les nationalistes en Turquie. Et ces dernières années, bon, il y a eu cette possibilité d'ouverture. Est-ce que cette communauté aujourd'hui se sent quand même visée ou probablement visée dans l'avenir? Quel est le sentiment? Oui, parce qu'encore une fois, la libération des personnages que je viens d'évoquer fait craindre le pire hein, aux Arméniens ici, pas seulement aux Arméniens, aux démocrates en général, aux gens qui essayent effectivement de lutter pour ouvrir cette Turquie sur ces questions historiques. Donc le 24 avril va vraiment se dérouler dans une atmosphère extrêmement tendue. Pour le moment, le rassemblement qui était organisé sur la place Taksim chaque année, les autorités ne donnent pas leur autorisation pour qu'il ait lieu cette année. Depuis Gezi, en fait, aucune manifestation n'a été autorisée sur la place Taksim. Et le 24 avril ne devrait pas avoir de dérogation cette année. Donc on aura sans doute une situation assez tendue et de ce fait un retour en arrière sur ces questions-là. Quand vous dites Guillaume Perrier, les Arméniens d'organiser sans doute une petite cérémonie, mais ça n'aura pas la répercussion que ça a pu avoir les années précédentes. Au-delà des événements qui peuvent avoir lieu ou pas, quand vous dites le pire peut arriver avec Doğu Perinçek qui vient de sortir de prison, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait arriver? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que Perinçek pourrait, selon vous, avec l'État ou avec une couverture de l'État, mener des actions qui vont nous rappeler des moments noirs de notre histoire? Malheureusement, l'histoire de la Turquie est parsemée de ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un risque, c'est une menace qui pèse. Il ne s'agit pas de faire des scénarios catastrophes non plus, mais l'histoire récente de la Turquie est parsemée de coups tordus, d'assassinats politiques. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce risque aujourd'hui. Je crois qu'il existe. La Turquie est dans une situation totalement chaotique, avec une société très polarisée, avec des violences communautaires qui sont prêtes à se réveiller à la moindre étincelle, et des provocations sont toujours possibles pour envenimer la situation. Donc je crois qu'il faut être très vigilant sur ce qui peut se passer à l'occasion de ces commémorations et jusqu'en 2015, puisque la Turquie est déjà totalement braquée sur le 24 avril 2015, évidemment. Alors, Erol Skoray, selon vous, qui en Turquie est farouchement pour cette ouverture vers les Arméniens? Vous êtes partie de ces intellectuels, de ces personnalités qui veulent avancer dans le rapprochement entre les deux peuples au nom de la vérité, de la justice, etc. Mais qui sont les personnes, oui, mais aussi les institutions, les courants qui peuvent faire avancer les choses dans ce sens-là? Généralement, ce sont des libéraux politiques. Ce sont des gens de gauche. Quand je dis gauche, c'est au sens européen du terme, parce que les gauches turques sont assez staliniens aussi. Il y a des problèmes, beaucoup de nationalisme. Et quand on entend que Perinçek, c'est le président du Parti des Travailleurs... C'est une sorte de national-socialisme à la sauce turque. Donc on sait très bien. Beaucoup d'intellectuels, des gens qui ont des valeurs de l'Union européenne, de l'Europe, qu'ils ont fait leur étude là-bas, ou bien ils ont une relation avec l'Europe, avec les institutions européennes. C'est assez limité. Des défenseurs des droits de l'homme, comme Raghib Sarıkol, qui était un des pionniers à l'époque, ce genre de personnes. Mais ça a fait son chemin. La société se développe petit à petit dans ce sens-là. Et après l'assassinat de Hrant Dink, il y a une prise de position des démocrates turcs qui était assez nombreux. Donc la prise de conscience a fait son chemin.
On peut dire qu'aux alentours de 200 000 personnes assez actives sont à Istanbul. Il y a des Kurdes, des Alevis aussi parmi ces gens-là. C'est-à-dire que quand on participe... Qui font cette dynamique. À l'enterrement de Hrant Dink, où on l'a vu l'année dernière aussi. Donc c'était, je crois, à l'anniversaire de son assassinat. Là encore, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. On comprend que ces gens-là sont quelque part... pas forcément, mais peut-être probablement pour la reconnaissance du génocide arménien, parce qu'il associe Hrant Dink à cette bien histoire sûr. Aussi. Alors, la question, c'est de savoir si dans la classe politique, il y a des courants dans les différents partis qui prônent ce rapprochement et puis l'ouverture des pages de l'histoire. Surtout, il existe une seule force politique très très importante qui est en symbiose totale avec les Arméniens dans ce sens-là, c'est les Kurdes. Là, eux, ils ont fait leur pardon, ils ont regardé leur histoire en face avec leurs élus, avec leur parti politique, BDP, maintenant HDP à l'ouest de la Turquie. Et donc ces deux institutions, ils obtiennent en moyenne 3 millions de voix, assez influents. Donc c'est pour la reconnaissance du génocide. De toute façon, ils disent que c'est votre pays, vous êtes sur votre territoire. Par exemple, Baydemir, l'ancien maire de Diyarbakır, a fait des gestes dans ce sens-là. Donc de ce côté-là, le problème ne se pose pas. En plus, quand on dit Kurdes, ce sont la partie la plus consciente au niveau de démocratie, de l'histoire et des libertés en Turquie. Donc concernant les Kurdes, le problème ne se pose pas. À part ça, il y a les Turcs. Quand Guillaume Perrier a assez mal compris ce que je disais, je ne parle pas des Turcs qui défendent l'Union européenne. Je dis les Turcs européennes, qui sont de naissance européenne, c'est-à-dire qui se sont à l'ouest. Il peut y avoir des Kémalistes parmi ces Turcs-là, mais je ne fais pas allusion aux Kémalistes. Moi, je fais partie, par exemple, de ces Turcs européens. Des gens comme Ragıp Çalıkoğlu en font partie. Hrant Dink en faisait partie. Donc, nous sommes assez nombreux aussi, pas au niveau quantitatif, mais au niveau qualitatif, on est assez influents dans nos propres milieux. C'est dans ce sens-là que j'ai employé ce terme. Mais les deux Turquies, oui, c'est la thèse du grand sociologue Sherif Mardin. Donc, il faut voir les choses beaucoup plus profondément. Il faut pas faire uniquement l'analyse quotidienne au jour le jour. Moi, je fais une projection pour 10, 15 ans, 20 ans. Et généralement, ça se confirme. Alors, Murat Papazian, aujourd'hui, on va parler de la stratégie de la Turquie en 2015. Quel est votre sentiment? On parle d'une commission étatique qui est montée auprès du Premier ministre. C'est pas une nouveauté, mais en tout cas pour 2015, il doit sûrement y avoir quelque chose, des surprises qui se préparent. Quel est votre sentiment de la capacité de la Turquie à frapper fort et à contrer cet élan des Arméniens de faire parler de leur génocide, surtout à cette date symbolique 2015? La Turquie prépare 2015 depuis fort longtemps déjà, en fait depuis plusieurs années, ayant conscience effectivement que le centième anniversaire du 24 avril 1915 constituera pour la Turquie un problème, un vrai problème et politique, un vrai problème par rapport à ses partenaires, un vrai problème par rapport à l'histoire, mais surtout un problème par rapport à l'avenir. Parce que le centième anniversaire du génocide arménien se prépare dans le monde entier. Il y aura, avant le centenaire et après le centenaire, avant le 24 avril 2015 et après le 24 avril 2015, parce qu'il va y avoir encore une série d'États qui vont reconnaître la réalité du génocide arménien. Et on le sait, en réalité, le monde entier reconnaît la réalité du génocide arménien. Et la Turquie sait elle-même que des États qui ne se sont pas encore déclarés se déclareront à un moment donné, même s'ils se déclarent un peu plus tard, dans leur société, dans leur opinion politique, dans leur opinion publique, dans la classe politique, la question du génocide arménien est une réalité reconnue, peut-être pas exprimée au grand jour. On le voit aux États-Unis, on le voit en Israël, on le voit quand on va dans ces pays-là rencontrer les classes politiques, elles le reconnaissent. Elles reconnaissent le génocide arménien. Elles ne le font pas publiquement
parce que il y a une prise d'otages qui est organisée, de ces États qui est organisée par la Turquie. Mais ces méthodes arrivent au bout, en fait, arrivent à leur bout elles-mêmes. Et donc la Turquie a mobilisé un très très gros budget, a mobilisé d'énormes partenaires dans le monde entier pour effectivement contrer la réalité du génocide arménien. Elle sera vite désarmée, elle sera vite démasquée en réalité, parce que elle risque dans cette escalade d'aller au bout de la logique négationniste. Et pour l'image de la Turquie, il n'y a rien de pire qu'aujourd'hui. En réalité, elle devrait passer quelques jours à réfléchir sur la bonne stratégie. Elle verrait que c'est l'inverse qu'il faut mettre en œuvre assez rapidement d'ailleurs. Et la commission d'état étatique qu'elle essaie de mettre en œuvre, c'est une énième commission après le TARC, après le FRAT, après la tentative des protocoles. Les seules commissions qui peuvent fonctionner sont celles qui évoqueront l'avenir avec comme socle la reconnaissance du génocide arménien. Alors, Errol Oskaray, par rapport à vous, par rapport à vos informations, qu'est-ce qu'on a comme données pour comprendre cette stratégie turque? Écoutez, il y a déjà une... ils ont fondé un comité de coordination de la lutte contre les accusations infondées de génocide. Ils n'appellent pas génocide arménien. Généralement, ils appellent, et ça s'appelle en turc, l'abréviation, c'est Asimkaka. Ils l'ont fondé en 2000. C'était Bülent Ecevit qui était premier ministre à l'époque, et vice-président, vice-premier ministre, c'était Bahçeli, Devlet Bahçeli, le nationaliste. Donc, son premier président de Asimkaka, c'était Devlet Bahçeli. Ensuite, c'est Gül qui est devenu président. Et actuellement, on croit que c'est l'actuel... Gül, vous voulez dire, est devenu président de cette commission? Commission, oui, d'accord. Oui, quand il était au gouvernement. Généralement, ce sont les vice-premiers ministres qui deviennent présidents. Et actuellement, on croit, on n'a pas de certitude, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Davutoğlu, qui est président de ce Asimkaka. Normalement, son secrétariat se trouve au sein du Conseil national de sécurité. Donc, c'est une institution fondée en 1982 à la suite du coup d'État. Cette CNS qui est dirigée par les militaires normalement, maintenant il y a un civil secrétaire qui est son secrétaire. Donc le secrétariat de ce Asimkaka, donc je répète, c'est le comité de coordination de la lutte contre les accusations infondées de génocide, se trouve dans ses locaux, et c'est à 10 km d'Ankara. C'est le noyau et le cœur de la politique négationniste. Et actuellement, il agit comme une comité secrète. C'est très intéressant. C'est Ragıp qui m'en avait parlé aussi. Il a beaucoup fait de recherches là-dessus, Ragıp Zarakoğlu. Il travaille dans l'ombre actuellement. Il n'est plus actif de plus de 3 ans, mais il prépare le centenaire très probablement. Mais ils étaient très actifs les 10 premières années. Ce qu'ils faisaient, ils donnaient des conférences et des séminaires aux sous-préfets, aux préfets, aux professeurs d'université. Et donc, ils voulaient aussi modeler les livres d'histoire du lycée, de l'école primaire même, dans le cadre de cette politique négationniste. D'ailleurs, on a vu à un moment donné, sous l'AKP, cette vidéo qui circulait, qui était préparée par l'armée, et qui circulait dans les écoles pour apprendre, non pas aux enseignants, mais aux élèves, leur bien vérité sûr. De l'histoire des années 1915-1916. C'est un comité qui travaille comme une production du mensonge. En plus, c'est l'État qui le fait. Et parmi ses membres se trouve donc le vice-premier ministre, qui préside, il y a le service secret turc, MIT, le YÖK, qui est l'institution des universités fondée par les généraux au temps du coup d'État. Il y a l'institution d'histoire turque, un représentant du ministre de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. Donc tout y est. Donc il faut demander absolument la liquidation de cette comité qui est qui travaille en l'encontre de l'histoire, de la vérité, et qui produit uniquement que des mensonges. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'autre chose, c'est pour changer la concentration, l'État turc veut
promouvoir en 1915 la guerre des Dardanelles. Donc c'est ça qui est important. Alors très bien, nous allons parler de tout cela également avec vous, Guillaume Perrier, car nous l'avons vu durant aussi le voyage du président Hollande en Turquie, quand Abdullah Gül, pendant cette conférence de presse, parlait, quand la journaliste turque a posé la question sur le génocide arménien, il a parlé de peine partagée, de ces millions de morts. Alors, en termes de sémantique, en termes de présentation, quelle est la stratégie pour minimiser l'impact, selon vous, des manifestations ou de la revendication arménienne? Alors deux choses, effectivement, dans la nouvelle rhétorique gouvernementale, on parle aujourd'hui de mémoire juste. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette mémoire juste dans la bouche du ministre Ahmet Davutoğlu? Ça veut dire en fait de reconnaître effectivement les victimes arméniennes de 1915, mais de les mettre sur le même pied que les réfugiés musulmans des Balkans qui ont été chassés, parfois massacrés pendant les guerres balkaniques et au début de la Première Guerre mondiale. Donc il y a une volonté, si vous voulez, de noyer un petit peu le génocide arménien dans une réalité historique plus large et donc de reconnaître aussi des victimes musulmanes de la guerre qui, entre parenthèses, évidemment, n'ont pas subi de génocide. Hein, est-ce que quand Davutoğlu était en Arménie il y a quelques mois, il annonçait que les déportations, c'était quelque chose d'inhumain, c'était, selon vous, un premier pas vers cette acceptation d'une certaine réalité, mais associée à d'autres réalités qui n'ont rien à voir avec les Arméniens? Oui, oui, bien sûr, et c'est une stratégie qu'il a déjà entamée il y a deux ans. Donc on a vu effectivement quelques pas dans ce sens petit à petit, mais qui dissimule mal une réalité négationniste. Je dirais que la Turquie poursuit une politique extrêmement classique à ce niveau-là. On a un changement de rhétorique. Voilà, le papier cadeau autour est sans doute d'une autre couleur, mais le fond du problème reste le même. Et d'ici 2015, étant donné le contexte politique actuel en Turquie, on voit mal comment cela pourrait changer. C'est-à-dire que on assiste aujourd'hui de la part d'Erdogan et de Davutoğlu à une véritable radicalisation politique hein, sur les questions des libertés individuelles, mais aussi sur les questions de politique étrangère. Vous avez souligné tout à l'heure justement un alignement de ce gouvernement sur les positions des frères musulmans dans un certain nombre de pays, hein, ce qui n'était pas du tout la stratégie quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc on a, de ce point de vue, sur la question arménienne aussi, une radicalisation du pouvoir et donc un alignement sur des positions négationnistes extrêmement classiques. Et on a, alors le comité dont parlait Roloz Keray, Asim Kaka, effectivement, est intéressant. Et là, on a l'exemple même de l'institutionnalisation du négationnisme dans la politique turque. Le Asim Kaka a repris du service il y a trois ans, au moment où la France commençait à reparler de voter une loi pour pénaliser le négationnisme. Donc c'est un comité qui est réactivé régulièrement dès que la Turquie a besoin de communiquer sur cette question arménienne. Donc étant donné le contexte actuel aux États-Unis, on peut penser aussi que la rhétorique négationniste va reprendre un petit peu de vigueur. Et d'ici 2015, il y a effectivement toute une série de campagnes hein, qui va être menée sur le sol turc et notamment à Çanakkale hein, qui sera vraiment le point d'orgue hein, de cette campagne le 25 avril 2015. Alors justement, Çanakkale, c'est là où vous l'avez dit en avril 2015. La Turquie espère que toute l'attention du monde entier va se concentrer. Comment, selon vous, est-il possible? Est-ce que à l'intérieur de la Turquie, il peut y avoir est-ce un piège quand même pour la Turquie, pour elle-même, de parler des Dardanelles? Et en même temps, de faire ça le même jour, parce que comme Mourad Papazian le disait tout à l'heure, ça ne passe plus. Le monde entier sait ce qui s'est passé le 24 avril 1915. On se fout de nous, oui, en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. Et ça passe piège. Plus. Le
négationnisme est évidemment un piège pour la Turquie. C'est une évidence et je crois que c'est effectivement cette stratégie, Mourad Papazian a raison, on est aujourd'hui au bout d'une logique négationniste un petit peu poussiéreuse et qui ne fonctionne plus, sauf sur les gens qui sont déjà convaincus de cette négation. Aujourd'hui, on arrive au bout de cette logique. 2015 va sans doute être une explosion négationniste de la part de l'État turc, mais qui effectivement ne convainc plus personne et se caricature elle-même de plus en plus. Je crois que ça dessert totalement le propos et puis la Turquie elle-même, c'est évident. Alors Çanakkale, il y aura évidemment des cérémonies assez grandioses. Le Premier ministre Erdogan sera en plus sans doute à quelques semaines ou à quelques mois d'élections législatives. Donc on peut imaginer aussi qu'il va utiliser cette tribune pour affirmer un peu plus sa propre puissance. Mais Çanakkale sera le moment d'une cérémonie un petit peu particulière qui sera... dont l'objectif sera de glorifier une certaine Turquie et évidemment au détriment d'une autre. Mais on peut penser aussi là que même à Çanakkale, il y aura des initiatives citoyennes alternatives qui permettront aussi aux Turcs de voir une autre interprétation de leur propre histoire. Alors il faut quand même le dire, Guillaume Perrier, à Çanakkale même, il y a déjà eu des commémorations du génocide arménien les 24 avril précédent. Donc cela signifie que dans cette ville aussi, il y a une sorte de préparation dans la société civile, j'entends. Oui, alors c'est très très marginal. Hein. On parle là d'une poignée vraiment d'activistes, de gens... qui effectivement mène ce combat, mais il y a aussi des projets de colloques historiques sur Çanakkale organisés par une série d'intellectuels turcs qui permettraient aussi de raconter la véritable histoire de Çanakkale et pas celle réécrite par l'État turc. Il y a toutes sortes de choses à donner à voir au moment de Çanakkale, notamment l'histoire du capitaine Torossian, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a fait l'objet de plusieurs livres, notamment de Taner Akşam, aussi de l'historien Ayhan Aktar. Le capitaine Torossian était un Arménien qui a été décoré au cours de la bataille de Çanakkale, qui permet de montrer aussi la réalité de cette bataille à l'époque et la diversité des troupes ottomanes, alors qu'aujourd'hui et l'année prochaine ne seront glorifiés que les héros musulmans et turcs de cette histoire. Il sera question de Gaza, il sera question du Kosovo, mais il ne sera jamais question des soldats arméniens de cette bataille. Donc il y a tout un courant intellectuel aujourd'hui qui essaye de rétablir la vérité d'abord sur la bataille de Çanakkale et donc ensuite aussi de la replacer dans un contexte qui inclut évidemment le 24 avril et le génocide arménien. Et aussi peut-être de montrer quelques autres vérités sur Çanakkale, comme par exemple l'histoire concernant Atatürk même, qui à cette époque n'était qu'un sous-officier, en tout cas c'était un adjoint, et il est présenté comme le héros de cette bataille. Donc là encore, l'histoire de la Turquie, non seulement par rapport aux Arméniens, mais par rapport aux Turcs même, a beaucoup de choses à revoir, à revisiter. Absolument, oui. Atatürk était l'état-major à l'époque, était le sixième dans la hiérarchie, et l'état-major des troupes était commandé par un général allemand. Effectivement, cette histoire-là, les Turcs ne la connaissent pas, et ça n'est pas cette série de commémorations en 2015 qui va leur permettre de mieux la comprendre. Alors, dernière question, Guillaume Perrier, avec vous. Est-ce que vous voyez que en Turquie, dans les médias, il y a un changement d'attitude, parce qu'à un moment donné, ça y est, on a commencé à parler du génocide arménien, parfois sans mettre de guillemets, on sait que c'était tellement important pour nous que le soi-disant génocide, le génocide entre guillemets, ne soit pas écrit avec ces guillemets. Maintenant, quelle est la situation? Est-ce que vous voyez que l'autocensure a repris et que les gens commencent à faire attention avec ce nouveau positionnement de l'État turc par rapport à cette question?
Il y a deux mouvements opposés, je dirais, et c'est assez paradoxal. On a de toute façon un paysage médiatique qui est dans un état assez catastrophique en Turquie, où on a des médias soit totalement à la botte du gouvernement et d'Erdogan, soit totalement opposés, mais sans plus de rigueur journalistique. Donc on a très peu finalement, voire quasiment aucun média crédible, fiable, qui fasse de l'information au sens où on l'entend nous. Donc dans ces conditions, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et que la question arménienne, comme toutes les autres, subit cet état de fait. Donc on a effectivement dans les médias classiques, hein, les grands journaux, les grandes chaînes de télévision, un discours qui reste le même, hein, qui reste marqué par ces guillemets ces guillemets autour du mot génocide. Maintenant, il y a quand même quelques médias alternatifs qui ont souvent été fondés par des journalistes qui ont été licenciés ces dernières années. Je pense notamment au site T24 qui emploie notamment Hassan Cemal. Je pense à la chaîne de télévision Imedje, qui est une petite chaîne satellite qui parle beaucoup des minorités et de la question arménienne. Mais ce sont des médias extrêmement marginaux qui ont une audience très très faible. Et là, on a une parole par contre beaucoup plus libre. Y compris sur la question arménienne, et on a des articles de fond sur ces sujets-là. On a Taner Akşam qui écrit régulièrement aussi dans le journal Taraf. Donc il y a deux mouvements contraires, je dirais, mais les médias de masse aujourd'hui, ceux qui sont lus et suivis par 98% des Turcs, maintiennent un discours classique de ce point de vue-là. Alors vous avez rappelé Hasan Cemal, qui est le petit-fils de Cemal Pacha, hein, donc, et qui est la bête noire d'Erdogan sur cette question arménienne, qui récemment, enfin, a sorti un livre qui s'appelle, je crois, le 1915, le génocide arménien. Sans guillemets. Sans guillemets, forcément, et qui est allé à Dizernagapert, et voilà, il a fait son devoir de mémoire, comme on dit. Je dois... Alors, c'est un livre qui est très diffusé, et je pense qu'il est diffusé au-delà de la Turquie, dans différents pays, en différentes langues. Et ce que je dois rappeler aussi pour vous, Guillaume Perrier, et pour Laure Marchand, c'est que votre livre, Le fantôme arménien, et on peut le trouver désormais en turc. Oui, il est sorti hier en Turquie, donc voilà, ça montre aussi la possibilité d'écrire des choses sans doute dérangeantes pour l'État turc, mais encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel. Hein, on peut penser que très peu de Turcs vont même avoir connaissance de cet ouvrage, donc tant que ça reste limité à un petit cercle d'intellectuels, le gouvernement n'est pas tellement dérangé par la publication de ce genre de livres ou d'articles. Donc à partir du moment où ça intervient dans des médias de masse, là on entre dans une autre logique. Donc je crois qu'il y a ces deux mouvements qui cohabitent de manière totalement imperméable l'un à l'autre finalement. Merci Guillaume Perrier. Nous aurons l'occasion forcément de parler de votre livre et de l'effet qui va susciter en Turquie dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Istanbul. Mourad Papazian, après toute cette présentation de ce que peut faire et compte faire la Turquie, que reste-t-il aux Arméniens à faire, et surtout parlons de la France, du CCF et de l'action qu'on doit mener d'ici 2015 et qu'on a, me semble-t-il, commencé à mener avec Mission 2015. Que peut-on dire et que sait-on de l'action de la Turquie en France même? On nous dit qu'il y a un changement d'ambassadeur et que l'ancien appartenait à l'ancienne école, le nouveau, il est plus modéré, nous dit-on. Qu'est-ce qu'on attend pour 2015 en France même? D'abord, effectivement, il y a un programme 2015 qui a été présenté en partie à plusieurs reprises par Alexis Gofsian et Harout Mardirossian,
notamment au dîner du CCAF, aussi sur votre antenne, dans France Arménie, dans Nouvelle d'Arménie, dans les médias arméniens. Donc il y a une mobilisation de toute la communauté arménienne, de ces associations, membres du CCAF, et puis certaines associations qui ne sont pas membres du CCAF, mais il y a une coordination orchestrée par le CCAF, et ça c'est totalement à noter, parce que cela signifie que les cérémonies de commémoration du 100e anniversaire du génocide arménien s'organisent dans la coordination et l'union la plus totale. Donc c'est très important. On n'avait pas de doute sur notre capacité à réaliser effectivement un programme 2015 ambitieux, mais il sera très ambitieux à l'exemple des programmes 2015 qui vont se dérouler dans le monde entier, avec une coordination mondiale. Donc, je pense que, je disais tout à l'heure qu'il y aura un avant 2015 et un après 2015, c'est la réalité. C'est-à-dire, plus 2015 approche, plus on sent effectivement une tension apparaître dans les milieux gouvernementaux turcs. En France, nous avons plusieurs problématiques, dont celle liée à l'adoption d'une loi pénalisant la négation du génocide arménien. C'est un engagement du président de la République qu'il va tenir, qu'il tiendra d'autant plus qu'il l'a annoncé en Turquie même, au cours de la conférence de presse à laquelle vous étiez présente, Vatan Gabrielian. Il l'a annoncé en Turquie même. Et il a annoncé au gouvernement turc, avant d'aller en Turquie, qu'il l'annoncerait. Et donc, ça n'a pas été une surprise, et ça constitue une ligne constante dans la volonté du président de la République de faire pénaliser la négation du génocide arménien. Donc, c'est un combat difficile, parce qu'il y a des questions liées à la constitutionnalité d'un texte, qui est pourtant une adaptation d'une décision cadre de l'Union européenne, et donc 2014 devrait être marqué par l'adoption de ce projet de loi. Et pour la première fois dans notre histoire, ce sera un projet de loi gouvernemental, donc porté par le gouvernement, à l'ordre du jour d'un conseil des ministres, avant qu'il soit adopté par les deux chambres. Et donc, ce n'est pas neutre, parce que jusqu'à maintenant, on avait des propositions de loi portées par des députés de la majorité ou de l'opposition, peu importe. Mais en tout cas, là, il y a une démarche, une implication de l'État français. C'est très important. Alors, on nous parle aussi, évidemment, il y a le voyage du président de la République en Arménie. On nous dit que c'est là, probablement, que cette annonce sera faite. Est-ce que vous avez... on a aussi, aujourd'hui, une certitude par rapport à cette annonce ? Parce que le temps passe et le quinquennat avance. On peut le supposer. On peut supposer que le président de la République, François Hollande, étant en Arménie les 12 et 13 mai... Il va réserver à ce voyage la primeur d'une annonce majeure pour le peuple arménien, qui devrait se traduire par l'annonce du lancement du processus d'adoption de ce projet de loi. Alors, moi je voudrais qu'on parle de l'action de la Turquie, de l'action qu'on peut imaginer, ou l'action tangible, si vous avez des éléments. Quant au nouvel ambassadeur de Turquie en France, s'il a envie d'entamer un dialogue avec les représentants de la communauté arménienne, nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts à la discussion politique. Nous sommes ouverts également à la manière d'aider la Turquie à entamer une nouvelle visite de son histoire vers la reconnaissance du génocide arménien et des réparations qu'elle implique. Il y a un mouvement qui doit se mettre en place, parce que la Turquie recule, et elle recule sur tous les plans. Elle recule sur le plan diplomatique, elle recule sur le plan du progrès qu'elle devrait instaurer, elle recule sur la question des droits de l'homme, elle recule sur la question du respect des minorités, elle recule sur la modernisation de sa société, parce qu'elle est aujourd'hui assise sur un mensonge d'État qui paralyse tout avenir positif. Et elle peut aujourd'hui avoir des perspectives de croissance. Elle peut aujourd'hui représenter pour les grands groupes industriels des perspectives de développement, mais en réalité, tout cela ne se réalisera pas pleinement tant qu'elle ne sera pas carrée, irréprochable sur la question de son histoire,
des droits de l'homme, du respect des minorités et de la démocratie. Alors, permettez-moi de signaler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 01 43 53 20 74, 01 43 53 20 74, pour poser leurs questions à nos invités et pour intervenir dans cette discussion. Alors, Erol Oskoray, quand on voit, justement, par rapport à ce que Mourad Papazian vient de dire, s'il y a volonté de discuter, de dialoguer, les Arméniens sont ouverts. Mais ce qu'on voit par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce vote dans la Commission des affaires étrangères du Sénat américain qui a adopté cette résolution demandant à la Turquie de reconnaître le génocide arménien. Et là, la réaction de la Turquie et de Davutoğlu était, c'est-à-dire, ça n'augure rien de positif, ça ne nous apporte pas l'espoir d'un changement de cette politique. On parle encore une fois, on accuse les États-Unis et ses sénateurs d'impartialité et de mélanger la politique avec le droit et l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une fois les États-Unis laissent tomber la Turquie, la reconnaissance du génocide et cette politique va se développer et sa voix va être libérée. Donc, à mon avis, le pays clé dans cette reconnaissance du génocide des Arméniens, c'est les États-Unis. Donc, il faut vraiment travailler sur ce pays. En plus, comme le lobby juif a délaissé Ankara à cause de sa politique anti-israélienne, plus Obama qui est contre la politique de la Turquie en Syrie. L'Occident, et spécialement les États-Unis, veut se débarrasser de ce gouvernement islamique. Et en même temps, cette politique de reconnaissance du génocide, ça va de pair avec la démocratisation de la Turquie. Donc, quand on lutte pour la démocratie en Turquie, on doit forcément lutter pour la reconnaissance du génocide et contre le négationnisme. Ça va de pair. Une fois ce pays connaîtra la vraie démocratie, donc la reconnaissance du génocide avec tout ce qui va s'en suivre, avec les réparations, etc., vont faire son chemin. Ou peut-être l'inverse. Si la société turque, dans sa globalité, malgré la pression de l'État, va vers une reconnaissance tacite du génocide arménien, la démocratisation va venir plus en force, bien plus sûr. Rapidement. Donc cette dynamique existe dans la partie dont j'avais parlé déjà, qui est épris de la démocratie, des libertés, de l'égalité, et elle veut défaire l'histoire officielle aussi, parce que tout est mensonge depuis 1923. On en a parlé même des Dardanelles. Tout a été réécrit selon la volonté de la raison d'État. Donc il faut travailler beaucoup au niveau politique à la Maison Blanche et au Sénat. La Chambre de représentants aux États-Unis pour faire passer cette loi, parce qu'une fois que les États-Unis, je répète, laissent tomber son allié turc, donc le chemin va ouvrir. Sur ce sujet, bien sûr, c'est important, mais aussi pour passer à une vraie démocratie. On veut que cette Turquie fait partie de l'Europe, de l'Union européenne, la vraie Turquie démocratique, ce qui va de pair avec la reconnaissance du génocide des Arméniens. Donc c'est le même combat. Celui qui fait un combat politique pour la démocratie en Turquie doit mener le même combat pour la reconnaissance du génocide. Je pense que les alliés de la Turquie laissent tomber la Turquie à partir du moment où elle ne l'oblige pas à reconnaître le génocide arménien. C'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on est un ami de la Turquie, un État ami, la France, les États-Unis, l'Occident en général, il y a nécessité de tout mettre en œuvre pour convaincre l'allié turc d'aller dans la bonne direction pour l'histoire. Parce que quand on parle d'un État, quand on parle du temps de l'État, le temps de l'État, c'est pas les 5 prochaines années. Le temps de l'État, c'est les 100, 150, 200 prochaines années, en réalité. Je pense que la vision politique d'un État, comme les États-Unis, ce serait de conduire l'allié turc est un allié. C'est un allié, et pourquoi pas, de conduire l'allié turc dans la bonne direction.
pour lui-même, pour la Turquie, mais d'abord pour le peuple turc, avant du gouvernement, de l'État profond, etc., pour le peuple turc lui-même, pour sa modernisation, pour sa marche en avant, et aussi pour les relations qui sont entretenues par les États. Il est toujours inconfortable, on le voit bien, pour des États occidentaux, par exemple, d'entretenir des relations avec Ankara, parce que justement, il y a ce tabou, comme dirait Guillaume Perrier, du génocide arménien, il y a ce problème de la démocratie, des libertés, des minorités, en général, c'est pour l'Occident un fardeau. Et donc, pour que la Turquie ne soit plus un fardeau pour l'Occident, et la Turquie a intérêt à ne plus être un fardeau pour l'Occident, elle doit faire sa propre révolution. Et ces États-là doivent conduire la Turquie à faire sa révolution. Mais il y a un problème dans l'esprit des dirigeants européens et pas seulement européens. Il y a une idée reçue, comme si en affrontant la Turquie sur ce sujet-là, on perdrait la Turquie. Je parle des alliés. En Israël, c'était la même chose. Si on reconnaît le génocide arménien, la sécurité d'Israël serait atteinte. Mais on se pose la question, mais comment? Pourquoi serait atteinte? Quel est le lien? On peut imaginer que, il y a quelques années, la Turquie, avec ses liens dans le monde arabe, pourrait renforcer cette tendance anti-israélienne, pro-turque, etc. On peut envisager tout ça. Mais parler de la sécurité d'Israël en reconnaissant le génocide arménien... Mais Matan Gabrielian, vous ne voyez pas ce que fait la Turquie en Syrie? La Turquie organise des mouvements djihadistes, elle les entraîne, elle les finance, elle organise la communication de ces mouvements djihadistes avec l'Occident, notamment les États-Unis et des pays européens. C'est à cause de la Turquie qu'en réalité que la crise syrienne n'arrive pas à se résoudre aujourd'hui. C'est à cause de la Turquie que les mouvements djihadistes sont allés occuper Kessab, qui ont entraîné l'évacuation de Kessab, qui ont entraîné la destruction de la ville de Kessab. La Turquie a une influence très nocive pour la paix dans la région. Et je comprends qu'Israël ait des craintes, effectivement, par rapport à sa sécurité dans un conflit ouvert avec la Turquie. Parce qu'en réalité, la Turquie, aujourd'hui, organise, arme certains terroristes, certains mouvements terroristes, fascistes, composés de mercenaires à la solde de n'importe qui en réalité. Voilà. Donc je comprends. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une action concertée. On voit bien ce qu'a dit le président Hollande dans son voyage en Turquie, de manière fort diplomatique, mais le fond était là. Ce qu'a dit Angela Merkel quelques semaines plus tard, de manière diplomatique, mais le fond était là. On a vu que le moteur de l'Union européenne, le moteur franco-allemand de l'Union européenne, s'est exprimé d'une même voix et de concert par rapport à la Turquie et par rapport à la reconnaissance du génocide arménien. Il est important aujourd'hui que les États-Unis, effectivement, prennent ce chemin-là. Et je pense que ce qui s'est produit au Sénat américain il y a quelques jours, à la Commission des Affaires étrangères, est un signe positif. Puisque, rappelons-le, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a reconnu le génocide arménien et appelle le Sénat, dans un ordre du jour peut-être, à reconnaître le génocide arménien, comme l'avait fait la Chambre des représentants il y a quelques années. On se rend compte que les deux chambres, les commissions des affaires étrangères des deux chambres des États-Unis, les chambres fédérales des États-Unis, ont reconnu le génocide arménien. En fait. Oui, pour ajouter à ce que dit Mourad Papazian, effectivement, il y a cette Turquie qui est très nocive, c'est la Turquie qui est islamiste, donc il faut diversifier aussi, il y a deux Turquies. Moi, je fais pas partie de cette Turquie, par exemple, et beaucoup de gens, une grande majorité de l'opposition ne fait pas partie de cette Turquie. Donc, quand on parle de Turquie, bien sûr, ils ont monopolisé le pouvoir avec les élections, etc. C'est cette Turquie, c'est une Turquie islamiste qui, je l'appelle maintenant ouvertement, parce qu'ils ont changé pratiquement toutes les institutions, c'est devenu une république islamique. Mais cette Turquie ne reflète pas toute la Turquie. Donc, heureusement d'ailleurs, donc s'il y a cette dynamique sur laquelle nous forçons de nous aligner, qui va essayer de débloquer la situation
concernant dans ce pays. Et concernant pour le centenaire du génocide, et Guillaume Perrier aussi en a parlé, moi aussi, comme je suis journaliste, je connais depuis plusieurs décennies, les médias turcs n'existent pas au sens classique du terme en Occident, en Turquie. Il n'y a pas de journaux, télévision ou médias démocratiques qui fait le métier au sens de l'éthique, au niveau des principes du métier. Donc ce genre de médias n'existe pas. Mais cela dit, il y a des porte-paroles. Par exemple, Alexis Govsian, l'année dernière, lors du commémoration du génocide, a donné une interview, par exemple, à Hürriyet. Il a fait une tollée incroyable. Il a une influence inimaginable en tant que porte-parole. Donc il faut choisir les porte-paroles valables. Comment il est conçu? Il est d'abord un ancien istanbouliote, donc très important. Donc il a des choses à dire parce que c'est en même temps c'est son pays, c'est son histoire. Il sait de quoi il parle. Donc il a l'autorité de la parole et comme il sait communiquer, donc il a dit des choses d'une façon tellement nette, critique, mais est acceptable, ça a fait la une de tous les journaux, ça a été repris par beaucoup de sites internet, et donc ça, cette idée a fait son chemin. Par exemple, il faut choisir d'autres interlocuteurs, d'autres porte-paroles, comme par exemple Bernard-Henri Lévy, qui peut faire, qui est assez influencé en Turquie. Donc, il n'a pas été, on connaît pas très bien tous les détails de sa vie. Action dans mes philosophes. Faut pas non plus oublier qui est Bernard-Henri Lévy et ce que Erdogan pense depuis 2 ans de ce qu'il appelle la manipulation de certains. Bien sûr, ça c'est Erdogan. On s'en fout. On recuse son autorité. Moi, je refuse son autorité. Toutes ces institutions. Donc, on agit sur l'autre Turquie. Et donc il faut. Je faisais allusion à l'antisémitisme grandissant en Turquie On recule ce genre de d'autorité aussi de notre côté. Donc il faut choisir pour faire avancer les thèses arméniennes en Turquie. Il faut choisir des porte-paroles valables comme Govsian, comme Bernard-Henri Lévy. Ça peut jouer un rôle vraiment capital au niveau de la communication. Voilà, papa, moi je voudrais quand même qu'on revienne à Kessab, parce que c'est quand même très important. Il a été question ici en France, il y a eu des manifestations à Paris, à Marseille, à Lyon, beaucoup d'initiatives, même hier des artistes se réunissaient pour apporter leur soutien aux Arméniens de Kessab. Il est vrai que au premier moment, il y a eu une crainte de massacre et bon, bien heureusement, ça ne s'est pas produit. Mais il y a eu une sorte de déportation. Le Kessab a été vidé de sa population et aujourd'hui, on ne sait pas si ces gens-là pourront revenir un jour ou l'autre et puis tous ensemble, parce que avec le temps, beaucoup voudront partir ailleurs. On ne peut pas vivre en tant que réfugié très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de la participation de la Turquie? Est-ce que de plus en plus on peut affirmer et confirmer que réellement la Turquie a pris part à cette attaque sur Kessab? Et cette manipulation médiatique, on nous dit que les vieillards sont amenés en Turquie, Davutoğlu a fait appel aux Arméniens de venir en Turquie, on les accueille les bras ouverts. À quoi joue la Turquie dans cette affaire? Comme à chaque fois, la Turquie a écrit le scénario. Elle a écrit le scénario. Elle a préparé effectivement les troupes de djihadistes à aller massacrer. L'objectif, c'était d'aller massacrer la population, c'était de la prendre en otage. Heureusement, la population de Kessab a eu vent effectivement de ce projet et a pu fuir quelques heures avant l'arrivée des forces djihadistes. La Turquie a organisé, a financé, a armé, a donné les renseignements nécessaires aux djihadistes qui ont pu effectivement faire leur sale travail. Aujourd'hui, les Arméniens sont à Latakia, en partie en très très grande partie. Et dans la scénarisation de la prise de Kessab, il y a effectivement le sauveur turc. Un appel qui a été lancé en disant « Nous sommes prêts à vous accueillir, vous Arméniens, etc. » Il y a des vieillards qui sont restés à Kessab parce qu'ils n'avaient pas la force de se déplacer. Et parmi ces quelques vieillards, certains, quelques-uns, pas beaucoup, ont accepté d'aller effectivement vers plus de confort en Turquie parce que c'était difficile à vivre. Parce qu'il n'y a plus de vie à Kessab. Plus rien. Donc c'est pas vivable, y compris pour
quelques vieillards, ou alors, sauf à mourir de faim et de soif. Et donc, là encore, on nous dit qu'il y a une manipulation. Il y a des témoignages qui attestent que ces vieillards, on leur avait promis de les amener à l'attaquer, mais pas en Turquie. Mmh. Et qu'une fois dans le minibus, ils ont été amenés en Turquie. C'est possible, effectivement. Et puis après, il y a la scénarisation, il y a les films, les reportages. Pour montrer la gentillesse par laquelle on... En fait, la Turquie peut multiplier ce genre de manœuvres. Personne n'est dupe. Les États ne sont pas dupes. Les États, les gouvernements savent tout. Ont toutes les informations. Minute par minute. Le gouvernement français a toutes les informations. J'ai pu le vérifier par moi-même. Minute par minute, toutes les informations. Donc, c'est la même chose de tous les gouvernements occidentaux, de tous les gouvernements, les Russes, etc. Ils ont tous les informations. Alors, et donc, aujourd'hui, le vrai danger, il n'est pas là. Le vrai danger, c'est qu'on continue la poursuite de la chasse aux Arméniens jusqu'à l'attaquer. Parce que effectivement, ils ne s'arrêteront pas là. Ils veulent aller prendre l'attaquer maintenant, qui est un des fiefs du mouvement alaouite. Et justement, pour eux, la prise de l'attaquer est quelque chose de plus important que la prise de Kessab. Maintenant que Kessab est nettoyé, maintenant qu'il n'y a plus d'Arméniens, maintenant qu'on a détruit les maisons, qu'on a pu dépouiller les maisons qu'on est allé vendre sur le marché d'Antioche, et aujourd'hui il y a une guerre sur Kessab, bombardement, etc. Kessab risque d'être détruit entièrement dans les semaines qui viennent. Alors il y a eu quelques lettres adressées par des députés, Valérie Boyer, le sénateur Kaltenbach, Philippe Kaltenbach, René Rouquet, qui est le président du groupe d'amitié France-Arménie, au Quai d'Orsay, au ministre des Affaires étrangères, mais c'est le silence total au Quai d'Orsay. Aucune déclaration à ce propos, en tout cas, rien de... Pas de déclaration à la hauteur, en tout cas. Il y a une première déclaration qui a été une mauvaise déclaration du Quai d'Orsay, qui a malgré tout... manifester son inquiétude par rapport effectivement à l'affaire de Kessab, mais qui n'est pas allé assez loin et donc a suscité le mécontentement notamment du CCAF. Donc effectivement, on travaille, on passe les messages, on rencontre, on espère qu'à un moment donné, effectivement, il y aura une réaction un peu plus franche du gouvernement français sur cette affaire de Kessab. Il est positif que des parlementaires de la majorité et de l'opposition puissent de concert se mobiliser et interpeller le ministre des Affaires étrangères qui, à un moment donné, s'exprimera peut-être, lui ou son porte-parole, de manière un peu plus développée sur cette affaire de Kessab. Je voudrais quand même relier l'affaire de Kessab à notre sujet principal, c'est-à-dire la stratégie turque pour contrer les commémorations de 2015, la reconnaissance du génocide, car la presse internationale, dès que l'histoire de Kessab a été soulevée, dès qu'on a parlé de probable massacre, et vous l'avez bien dit, Monod Papazian, si la population n'était pas partie à temps de Kessab, on aurait pu imaginer le pire face à ces milliers de djihadistes bien armés dans cette... il faut le rappeler, c'est pas que des rebelles syriens qui combattent pour la liberté, pour l'avenir de leur pays, mais ce sont aussi des Azéris, des Tchétchènes et d'autres nationalités qui ont fait leur entrée sur le sol de Kessab. La majorité des rebelles aujourd'hui n'ont aucune velléité démocratique. La très grande majorité des rebelles aujourd'hui sont des mercenaires et ont envie d'instaurer un État islamiste en Syrie. Alors, il ne faut pas que le monde entier se trompe, ce n'est pas possible. Il n'y a pas, d'un côté, le conflit est beaucoup plus complexe que celui-là. Il n'y a pas d'un côté l'autoritarisme et de l'autre côté les combattants de la liberté. Absolument pas. Alors justement, par rapport à cette histoire de Kessab, quand on voit dans le London Times, dans la presse internationale, l'évocation de Kessab a fait aux journalistes non arméniens, des professionnels, un rappel de l'histoire de 1915 et eux-mêmes, et à juste titre, ils ont dit qu'il était naturellement concevable pour eux de voir ce lien entre Kessab, cette déportation, la quatrième pour les Arméniens de Kessab d'ailleurs, et 1915. Donc, en quelque sorte, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la stratégie négationniste de l'État turc, on voit là une manifestation de l'échec de cette stratégie, puisque ce n'est plus les Arméniens qui en parlent de 1915 à l'évocation de Kessab, mais ce sont
les médias internationaux. Bien sûr, et de plus en plus. Oui. D'ailleurs, Libération a consacré tout de suite une page complète sur Kessab et sur l'implication du gouvernement turc, effectivement, dans l'affaire de Kessab. Tout de suite, effectivement. On ne peut pas masquer, on ne peut pas cacher ces choses-là. C'est terminé aujourd'hui. Tout sort, toutes les informations sortent, toutes les réalités sont révélées. On l'a bien vu de quelle manière les écoutes téléphoniques concernant un plan turc d'invasion de la Syrie a été révélée. On l'a bien vu. Aujourd'hui, plus rien ne peut rester confidentiel. On l'a bien vu avec Wikileaks, on a bien vu, effectivement, tout est révélé. Je crois qu'il faut appeler la Turquie dans la dynamique du 24 avril 2015 à enclencher, je sais que c'est pas facile, à enclencher un processus de visite et de son histoire. Et je lui dis, si le nouvel ambassadeur de Turquie, je sais que cette émission est écoutée par les services turcs, si le nouvel ambassadeur de Turquie en France a envie d'entamer un dialogue politique avec les représentants de la communauté arménienne, nous sommes prêts à ce dialogue politique qui doit s'appuyer sur le socle de la reconnaissance du génocide arménien. Alors je dois rappeler nos auditeurs que pendant les jours à venir, ils auront la possibilité, aussi bien sur notre antenne que dans les autres médias arméniens de France, de suivre l'actualité par rapport au 24 avril, donc 99e anniversaire du génocide arménien dans toute la France. Et puis suivez-nous pour savoir où et quand. À Paris, le rendez-vous est donné le 24 avril à 18h30 au Monument Comitas, où cette année, il devrait revêtir une dimension particulière, parce que c'est le dernier 24 avril, avant le 24 avril du 100e anniversaire. Et le CCAF souhaite donner l'ampleur à ce 24 avril qu'il mérite. Et l'ampleur, c'est avant tout une mobilisation sans précédent de la communauté arménienne, de la classe politique française et des représentants de l'État. Alors je dois juste signaler que nous avons une saturation de nos lignes téléphoniques car quelqu'un semble être de mauvaise intention et fait exprès de saturer nos lignes téléphoniques pour ne pas laisser le champ libre à nos auditeurs. Ce sont sûrement les négationnistes turcs. D'après ce qu'on me dit de la régie, nos auditeurs n'ont pas pu aujourd'hui nous appeler et intervenir dans cette émission. Suivez nos informations par rapport au 24 avril 2014 à Paris, mais dans toute la France. Et je voudrais quand même qu'on n'oublie pas les Arméniens de Syrie, d'Alep, de Damas, mais dans ces jours-ci de Kessab surtout, sachant que plusieurs organisations, la Croix-Bleue des Arméniens de France, Terre et Culture, le Fonds Arménien de France ont lancé des appels. Et nous avons reçu aussi un communiqué ce matin de Chen qui a déjà dans le passé consacré 10 000 euros, deux tranches de 10 000 euros aux Arméniens de Syrie. Aujourd'hui encore, ils envoient 10 000 euros aux Arméniens de Kessab. Donc l'appel est lancé à tous pour venir à l'aide des Arméniens concrètement avec des petits ou des grands dons à toutes ces organisations, puisque au final, l'argent arrivera au même endroit aux Arméniens de Kessab qui se trouvent actuellement à Latakié. Merci Erol Oskeray pour votre participation. Merci. Je sais, on aura l'occasion à une autre occasion de parler de vos procès aussi, parce que vous avez écrit un livre concernant Gezi et ça n'a pas fait plaisir au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, et vous êtes en procès actuellement. Oui, nous sommes là pour déranger les pouvoirs existants, oui. Alors, merci pour votre participation. Merci Moulad Papazian, co-président du CCF. Merci. Et merci à Guillaume Perrier, correspondant du Monde en Turquie, qui était avec nous depuis Istanbul. Et pardon pour cette impossibilité pour nos auditeurs de participer par téléphone. Sachez que d'habitude, nos lignes sont ouvertes pour quiconque pour intervenir et poser les questions qu'il faut. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Au revoir.
sur table. Une émission proposée par Hype FM.